Nous allons écouter la parole de Dieu. Faire écouter sa voix. Je vais prier. Seigneur, notre Dieu, sois béni, sois glorifié. Merci pour ta présence au milieu de nous. Nous te remercions encore pour ce moment que nous voulons écouter ta parole. Nous avons besoin de toi pour nous parler parce que toi, tu nous connais plus que nous-mêmes. Et quand tu m'as dit, jamais, Seigneur Jésus-Christ, parle à ton peuple, et cette parole puisse produire des fruits de la repentance dans la vie de chacun de nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout esprit de distraction, tout esprit diabolique, satanique, en ce lieu, dans le nom de Jésus-Christ, nous les chassons loin de nous. Nous voulons seulement ton Saint-Esprit, Seigneur notre Dieu, nous assister à ces moments où nous voulons écouter ta parole. Au nom de Jésus-Christ, amen. 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 Nous allons écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre nourriture de chaque jour. À la maison, nous écoutons la parole de Dieu dans nos voitures, au travail et même à l'église. Amen. 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 Aujourd'hui, je serai bref. Je vais parler peut-être 40 à 45 minutes. La fois passée, nous avions parlé de quelque chose qui était très important. C'était le Titanic. Ce n'était pas le film de Titanic, mais c'était l'histoire réelle de Titanic. Frère Branham a parlé de ça. Et nous aussi, nous avions parlé de ça. Nous avions seulement répété le prophète Branham. Parce que quand on dit Titanic, beaucoup voient seulement le film de Titanic. Mais ce qui s'était passé dans ces bateaux de Titanic, c'était aussi un exemple pour nous. Frère Branham, il compare Titanic avec beaucoup des églises d'aujourd'hui. Beaucoup des églises d'aujourd'hui, ils sont comme Titanic. Leur capitaine, c'est-à-dire le pasteur de ces églises-là, ils sont comme les os de Titanic. Et leurs églises sont comme les bateaux de Titanic. Leurs pasteurs, ils n'ont pas besoin de jumelles pour voir qu'est-ce qui se passe là devant, s'il y a des obstacles ou pas. C'est ça ce qui est arrivé au capitaine de Titanic, celui qui dirigeait les bateaux. Il était dans une ambiance totale. Au lieu de regarder avec les jumelles pour voir s'il n'y a pas un obstacle devant, lui, il était entré dans une ambiance totale. Il avait mis ses jumelles à côté. Et Titanic était allé heurter un bloc de glace qu'on appelle en anglais un iceberg. Alors, beaucoup des églises aussi sont comme Titanic aujourd'hui. Les pasteurs, au lieu de regarder ce que dit les prophètes, au lieu d'utiliser les jumelles ou les lunettes des prophètes, ils utilisent leurs propres lunettes, ils utilisent leurs propres jumelles. Ils ne voient pas l'obstacle qui est devant eux. Ils conduisent l'église comme Titanic et à la fin, ils seront surpris. Ils vont heurter un bloc de glace. Ne soyons pas comme Titanic. Ne soyez pas comme le capitaine de Titanic. Il faut toujours, toujours, toujours utiliser les jumelles du prophète pour voir les obstacles qui sont devant nous. Amen. Amen. Alors, nous avions dit que le respect, c'est très important pour nous, les enfants de Dieu. Nimrod a manqué le respect à Dieu. Il a mis la parole de Dieu à côté et Dieu l'avait frappé. Le boss de Titanic, lui aussi, il a mis la parole de Dieu à côté. Il n'avait pas le respect aux serviteurs de Dieu. Il n'avait pas le respect à l'œuvre de Dieu. Il n'avait pas le respect à Dieu lui-même. Et Dieu l'avait frappé. C'est un homme arrogant. Il disait même que Dieu n'a pas le pouvoir de renverser son bateau. Il niait même l'existence de ce Dieu-là. Il niait la puissance de ce Dieu-là. Et Dieu l'avait confondu. Frère Branham dit, Dieu exige le respect à ses serviteurs, à ses enfants et à son œuvre. Si tu ne respectes pas les enfants de Dieu,
Si tu ne respectes pas les enfants de Dieu, si tu ne respectes pas l'œuvre de Dieu, si tu ne respectes pas les serviteurs de Dieu, si tu ne respectes pas Dieu lui-même, Frère Branham dit, quelque chose va venir sur toi. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Beaucoup ont manqué de respect aux serviteurs de Dieu, à l'œuvre de Dieu ou aux enfants de Dieu. Aujourd'hui, ce sont des fous. Beaucoup sont morts, beaucoup sont maudits. Et aujourd'hui, beaucoup sont malades. Alors, Dieu nous est en train de nous épargner de toutes ces malédictions. Respectons tout le monde. Que ce soit un prêtre de l'Église catholique, que ce soit un pasteur du groupe de prière, que ce soit Simon Kimbang, que ce soit Mahomet, que ce soit n'importe quel prophète, respectez-les. Nous avons dit encore que nous devons respecter nos anciens, nos vieux dans ces messages. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé pour le Seigneur. Et Dieu ne peut pas oublier leur sacrifice, Dieu ne peut pas oublier ce qu'ils ont fait pour lui. Aujourd'hui, beaucoup de nos vieux, ils font des déclarations et nous, nous voyons que ce n'est pas la parole, ce n'est pas le message. Respectez-les. J'avais donné un exemple de Moïse. Lui qui avait amené la loi en Israël, la loi qu'il avait amenée, c'était que tous les enfants d'Israël devaient se marier seulement en Israël. Mais lui-même, le prophète Moïse, il est allé se marier à une étrangère, une Éthiopienne. Myriam et Aaron, ils ont murmuré contre Moïse. Parce que ce qu'il a fait là, ce n'était pas dans la loi. Ils ont bien vérifié la Bible, ils ont bien vérifié la loi, ils ont bien vérifié les messages. Ce que le prophète Moïse a fait ne se trouve pas dans les messages. Il était en dehors de la parole. C'est ce qu'il disait. Ils ont commencé à murmurer, à murmurer, à murmurer. Et c'est vrai que ce que Moïse a fait, ça ne se trouvait pas dans la loi. Mais quand Dieu était descendu, il a frappé Myriam par la lèpre. Donc, un pasteur, il peut faire ses déclarations à lui. Si tu ne veux pas croire à ça, mettez ça à côté. Mais respectez-le. Tu ne respectes pas, quelque chose va venir. Il n'y a pas de petit pasteur, il n'y a pas de grand pasteur. Deux ou trois sont réunis en son nom, la Bible dit, Jésus est là. Et c'est ça qui est important. Vous pouvez être 1000 ou 5000 personnes. Si Jésus n'est pas là, c'est une réunion de Moziki. C'est une réunion de MPR. C'est une réunion de féticheurs, c'est une réunion de Ngangakisi, c'est une réunion de musulmans, c'est une réunion de sorciers. Si Jésus n'est pas là, c'est une réunion de sorciers. Si Jésus est là, c'est ça qui est important. Même si vous êtes une seule personne dans l'église, si Jésus est là, c'est ça qui compte. Amen. Jésus n'a pas besoin de quantité, mais il a besoin de qualité. Amen. C'est ça. Donc, avoir beaucoup de gens, c'est le programme des hommes. Les hommes veulent voir beaucoup de gens, Bercy, comme les Congolais appellent. Que le stade soit rempli de gens. Là, on considère cet homme, c'est un pasteur. Ça, c'est le programme des hommes. Dans le programme de Dieu, Dieu a dit deux ou trois seulement, il est là. Le grand Elohim est là. Même William Branham, lui qui a amené ce message, lui qui était plus puissant de l'âge, dans son église, il y avait seulement 200-250 personnes. Il n'y avait pas beaucoup du monde. Et parmi ces 200-250 personnes-là, peut-être les membres effectifs, c'était seulement 70 ou 60 ou 50. Et lui-même, il priait à Dieu. Il disait que, Seigneur, garde-moi avec ces petits troupeaux. Il n'avait pas besoin de beaucoup de gens dans l'église. Et Frère Branham dit, le fait que l'église est en train de grandir en nombre, les gens commencent à s'ajouter. Frère Branham dit, souvent, l'église, quand ça devient trop grande, il commence à s'éloigner de l'original. Si je ne me trompe pas, il dit ça dans l'Humilie-toi. Si je ne me trompe pas.
Dans le fait que l'église commence à devenir grande, les gens commencent à s'ajouter, à s'ajouter, à s'ajouter. Frère Branham dit, cette église-là, petit à petit, ils vont commencer à laisser la parole. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Remarquez toutes ces grandes églises. Vous verrez ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Alors, laissons Dieu faire sa volonté. Amen. Donc, sortir du programme établi par l'homme. Ça aussi, c'est une partie du respect. Vous ne respectez pas, il y a quelque chose qui va venir sur vous. Frère Branham dit, peu importe ce que le pasteur a fait, peu importe ce que l'homme de Dieu a fait, respectez-le. S'il tombe avec 1000 femmes, respectez-le. Si tu ne veux pas de lui, quitte-le, va chercher notre pasteur, va chercher une autre église. Tu murmures, Dieu te frappe. Nous avions lu des citations de Frère Branham et des versets bibliques et nous avions lu des conséquences qui sont arrivées à tous ceux qui ont manqué de respect à l'œuvre de Dieu ou au serviteur de Dieu. C'est très important. Alors, aujourd'hui nous allons parler de sortir du programme établi par l'homme. Ça aussi c'est une partie du respect. Donc l'homme a son programme, Dieu aussi a son programme. Le programme de l'homme, ce sont ses idées, ses pensées. Le programme de Dieu, c'est sa parole. Amen. Amen. Je vais lire Frère Branham pour confirmer ce que je dis dans Dieu tient sa parole, paragraphe 1. Non, paragraphe 19. Frère Branham dit, Dieu a un programme et ce programme est écrit dans sa parole. Amen. Amen. Donc, Dieu a un programme et ce programme est écrit dans sa parole. Donc, le programme de l'homme, ce sont ses idées, ce sont ses pensées. Le programme de Dieu, c'est la parole. Dieu, homme. Le programme de l'homme produit la mort. Le programme de Dieu produit la vie. Et Dieu nous invite à entrer dans son programme. Si nous restons seulement au programme des hommes, nous allons tous mourir. Et aujourd'hui, nous avons des morts vivants. Parce que la technologie est avancée. Aujourd'hui, nous avons des morts vivants. Mais avant, les morts étaient dans les cercueils, étaient dans les tombeaux. Aujourd'hui, la technologie est avancée. Nous avons des morts modernes. Ils ne sont pas dans des cercueils ou dans les tombeaux. Ils sont là en cravate. Les autres sont derrière la chaise. Ils prêchent aussi la parole, mais morts. Il y en a qui portent de longues jupes, de longues chevelures, mais elle est déjà morte. Nous avons beaucoup de pasteurs qui sont déjà morts, beaucoup de frères et sœurs qui sont déjà morts, mais vivants. Ils peuvent aller au travail, ils peuvent manger de cravate, ils peuvent porter de longues jupes, de longues chevelures. Ce sont des morts. Quand vous êtes dans le programme des hommes, vous êtes des morts. Quand vous êtes dans le programme de Dieu, vous êtes vivants. Beaucoup de morts vivants aujourd'hui. Et je suis là pour te donner la parole afin que tu puisses entrer dans le programme de Dieu, afin que tu sois ressuscité. Si tu ne veux pas cette résurrection, paix à ton âme. Et encore une fois, mes condoléances. Frère Branham dit encore, dans l'imitation du christianisme, avant de lire ça, je vais lire notre position en Christ, paragraphe 6, Frère Branham dit,
La chose essentielle est de découvrir la place de la parole de Dieu dans notre vie. Dieu fixe le temps et les limites du temps et ensuite tout marche en fonction de ce temps-là. Beaucoup d'entre eux, avant la venue du Seigneur Jésus, beaucoup de faux sont apparus déclarant « Voici le Messie et voici... » Beaucoup de faux sont arrivés, selon les Écritures, juste avant la venue du Seigneur Jésus. Et les gens essayent de faire cela par eux-mêmes, ils essayent d'adapter la parole de Dieu à leur programme. Mais vous faites l'inverse. Vous devez vous adapter au programme de Dieu. C'est là, nous découvrons que cela est vrai. Frère Branham dit, beaucoup aujourd'hui veulent mélanger leur programme au programme de Dieu. Frère Branham dit, vous faites l'inverse. Vous devez entrer dans les programmes de Dieu. Vous ne devez pas mélanger les programmes de Dieu avec vos programmes. Parce que les programmes de l'homme et les programmes de Dieu ne peuvent pas se mélanger. C'est comme nord et sud, ouest et est. Ça ne peut pas se mélanger. La mort et la vie ne peuvent pas se mélanger. Alors, Frère Branham dit que beaucoup essayent de mélanger les programmes de Dieu à leurs programmes. Beaucoup essayent d'injecter leurs idées au programme de Dieu. Et cela produit la mort. Avant de continuer, une autre citation. Frère Branham dit dans l'imitation du christianisme. Paragraphe 18, il dit, eh bien, mais si le dessein de Dieu pour nous était que son Église soit dirigée par des dénominations, des dénominationnels ou des credos, alors tout ce qu'il nous faut, c'est l'intelligence d'un homme. Plus intelligent est l'homme, meilleur sera l'Église. Mais ce n'était pas ça le programme de Dieu. Le programme de Dieu, c'est ce que le Saint-Esprit dirige l'Église. Frère Branham dit, si l'homme dirigeait l'Église, ça serait l'intelligence d'un homme qui dirige. Mais ça, ce n'est pas le programme de Dieu. Écoutez le programme de Dieu. Frère Branham dit, le programme de Dieu, c'est que le Saint-Esprit dirige l'Église. Le Saint-Esprit a été donné pour l'Église et nous ne pouvons pas avoir deux têtes en train de diriger l'Église au même moment. Donc, dans l'Église, l'homme ne peut pas diriger. Frère Branham dit, nous ne pouvons pas avoir deux têtes dans l'Église. C'est-à-dire l'homme et le Saint-Esprit. Le programme de l'homme et le programme de Dieu. Ça ne peut pas se mélanger. On ne peut pas avoir deux têtes dans l'Église. Frère Branham continue, il dit. Frère Branham dit, et nous ne pouvons pas avoir deux têtes en train de diriger. Nous ne pouvons pas avoir deux têtes en train de diriger l'Église au même moment. Si c'est l'homme qui la dirige, le Saint-Esprit est à l'écart. Si c'est le Saint-Esprit qui dirige, généralement l'homme est à l'écart. C'est donc soit l'un, soit l'autre. Donc, si l'homme dirige l'Église, si l'homme donne ses idées à l'Église, si l'homme donne sa pensée à l'Église, automatiquement le Saint-Esprit est à l'écart. Et si le Saint-Esprit est à l'écart, c'est Dieu qui est à l'écart. Donc, Dieu n'est pas là. Et si Dieu n'est pas là, il n'y a pas un vide qui va rester là. C'est Satan qui est là. Donc, si le Saint-Esprit dirige, l'homme est à l'écart. C'est pourquoi, avant de commencer notre prédication, j'ai prié que Dieu puisse me mettre à l'écart, afin que lui-même, qu'il puisse nous parler. Amen. Si le Saint-Esprit dirige, donc l'homme est à l'écart. Si l'homme dirige dans une église, c'est que le Saint-Esprit est à l'écart de cette église. Alors, faites votre choix. Voulez-vous que Dieu soit dans l'église pour vous diriger ou l'homme? Parce que le programme de l'homme produit la mort. Le programme de Dieu produit toujours, toujours la vie. Dans chaque âge ou dans chaque période, Dieu envoie toujours son programme. Au temps de Noé, il a envoyé son programme. Et la façon qu'il envoie son programme, il ne donne pas à tout le monde. Il donne son programme à son prophète. Le prophète Noé, à son temps, il a reçu tous les programmes de Dieu pour ce temps-là. Donc, si tu veux entrer
Dans les programmes dédiés à ces temps-là, tu devais passer par les prophètes de Noé. Tu laisses Noé à côté, tu laisses tous les programmes dédiés à côté. Et tous ceux qui sont entrés dans les programmes de Dieu par Noé à ces temps-là, ils ont vu la gloire de Dieu. Et ceux qui ont refusé, ils étaient tous périls. Au temps de Moïse, la même chose. Dieu a donné tout son programme à son prophète Moïse. Même Pharaon n'avait pas ses programmes. Même Corée, Nathan, Abinadab n'avait pas le programme de Dieu. Seul Moïse qui avait le programme de Dieu dans ses mains. Pour entrer dans le programme de Dieu à ce temps-là, vous devez passer par le prophète Moïse. Et dans notre temps, la Bible dit dans Malachie 4, « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. » Comme Moïse, dans notre temps, Dieu nous a envoyé Élie, le prophète. Et cet Élie, le prophète, c'est William Marion Branham. Nous avions fait beaucoup de démonstrations pour vous montrer que cet Élie, le prophète, c'est bien et bien William Marion Branham. Et aujourd'hui, Dieu a donné son programme à son prophète William Marion Branham. Si aujourd'hui, vous voulez entrer dans le programme de Dieu, vous devez passer par le prophète William Marion Branham. Oh, Branham est déjà parti. Oh, Branham est déjà mort. Mais la voix de Dieu ne peut pas mourir. La voix de Dieu, c'est Dieu lui-même. La voix de Dieu est en train de retentir jusqu'à aujourd'hui. Pendant que je parle ici, je suis en train de répéter Branham, je suis en train de vous donner la voix de Dieu et la voix de Dieu retentit aujourd'hui devant vous. Amen. Pour entrer dans le programme de Dieu aujourd'hui, vous devez obligatoirement passer par William Marion Branham, par les messages de ce temps. En dehors de ce message, vous êtes en dehors du programme de Dieu. Et la mort est sur vous. Le programme de l'homme ne peut pas se mélanger au programme de Dieu. C'est nord et sud. Frère Branham nous dit que beaucoup aujourd'hui commencent à injecter leur pensée dans le programme de Dieu. Beaucoup essayent de mélanger le programme de Dieu à leur programme. Et dans l'autre citation que nous avions lue, Frère Branham nous montre quand Jésus était venu dans sa première venue. Pourquoi les gens de ce temps-là n'ont pas vu cette venue? Parce qu'ils étaient dans le programme de l'homme. Les pharisiens, ainsi de suite, ils avaient leur propre programme que quand Jésus viendra, il va d'abord passer chez Caïphe. Les autres disaient, quand Jésus viendra, il va d'abord passer dans notre église, parce que notre église, c'est une grande église de la ville. Les autres disaient, quand Jésus viendra, il va d'abord passer par notre pasteur, parce que notre pasteur, il est évêque, notre pasteur, il est au-dessus de tous les pasteurs. Mais tout ça, c'était le programme des hommes. Dieu avait aussi son programme. Quand Jésus est venu, il est venu selon le programme de Dieu. Alors, tous ces pharisiens, tous ces gens qui attendaient Jésus venir selon leur programme, quand ils ont vu que Jésus n'est pas venu selon leur programme, pourquoi? Parce qu'il est venu en dehors de leur programme. Et aujourd'hui, beaucoup sont en train de maïr. Parce que je suis en dehors, moi, aujourd'hui, je suis en dehors des programmes des hommes. Je suis en dehors des idées des hommes. Je suis en dehors de la pensée de l'homme. Moi, je suis dans les programmes de Dieu. Je vois tout selon les programmes de Dieu. Les gens de ce temps-là, ils ont manqué la venue de Jésus parce que leur programme les a empêchés de voir Jésus. Et aujourd'hui, dans la seconde venue de Jésus-Christ, la même chose. Les gens entendent Jésus de leur manière, ils ont déjà leur programme établi. Et quand Jésus vient, ils seront surpris. Leurs programmes vont l'empêcher de voir Jésus aujourd'hui.
Et aujourd'hui, pendant que je parle ici, je peux vous dire que cette écriture est déjà accomplie sous vos yeux. Quand Jésus était dans sa première venue, juste à la fin de cette venue, il montait pour aller au ciel. Et pendant qu'il montait, il était homme. Il était homme. Pendant qu'il montait, il montait, il montait, il montait. Et après un moment, il n'était plus homme. La nuée l'a couvert. L'ange est apparu, il dit aux disciples, de la même manière que c'est Jésus est parti au ciel, c'est de la même manière qu'il va retourner dans sa seconde venue. Ça, c'est le programme de Dieu. L'ange nous a déjà flashé un élément de programme de Dieu. Alors, l'ange dit aux disciples, de la même manière que Jésus est monté pour aller au ciel, c'est de la même manière qu'il va retourner dans sa seconde venue. Il était monté homme, après une nouée l'a couvert. Quand il va retourner, ça va être la même chose. Ça va être nouée, après homme. Ça, personne peut refuser ça. Si tu refuses ça, paix à ton âme. Donc, l'ange dit aux disciples, de la même manière que Jésus est allé au ciel, c'est de la même manière qu'il va revenir. Il était allé au ciel, homme qui montait, et après il nouait la couverture. Quand il va revenir, la même chose, nouait, après homme. C'est ça le programme de Dieu. Les gens d'aujourd'hui, ils attendent Jésus selon leur programme. C'est pourquoi on a beaucoup de discussions aujourd'hui. Il est venu, il n'est pas venu. Il est venu, il n'est pas venu. Quand vous verrez la nuée de gloire apparaître, entre parenthèses, bientôt nous allons parler de ça en détail. Alors, le programme de l'homme empêche l'homme de voir la puissance de Dieu. Le programme de l'homme empêche l'homme de voir les promesses qui sont en train de s'accomplir. Le programme de l'homme empêche l'homme de voir Dieu. Amen. Aujourd'hui, les prédicateurs et beaucoup de frères essayent de mélanger le programme de Dieu à leur programme. Et cela a commencé. La première église qui a commencé de mélanger le programme de Dieu au programme des hommes, c'est l'église catholique. Selon l'histoire, en 325 à Nicée, en France, l'empereur Constantin Ier, il a réuni tous les dirigeants de l'église de ces temps-là. Il les a tous réunis. Ils ont fait une réunion qu'on appelle aujourd'hui Concile de Nicée ou Concile œcuménique. Ils ont rassemblé tous les dirigeants de l'église. Et là-bas, ils étaient en train de mettre leurs pensées dans la parole. Ils étaient en train d'établir leur programme pour chaque église sur la terre. Ils ont abandonné complètement le programme de Dieu. Ils ont abandonné complètement la parole de Dieu. Ils ont commencé à voter. Et dans cette réunion, ils ont introduit les kits de bougies dans l'église. Ça, c'est un. Chose contraire à la parole. Dans cette réunion, ils ont décidé que quand les prêtres ou les pasteurs sont derrière la chaire, ils doivent porter une robe. C'est aussi contraire à la parole parce que la Bible dit un homme ne peut pas porter l'habillement de la femme. Vous portez l'habillement de la femme, vous êtes en abomination devant le Seigneur. Dans cette réunion, ils ont décidé de faire des prières pour envoyer des gens au ciel. C'est-à-dire, quand tu es encore vivant, tu payes ton argent, des millions, quand tu vas mourir, et il fait une prière et il t'envoie au ciel. Quand tu es vivant, tu peux faire tout ce que tu veux, tu manges, tu vas dans les boîtes de nuit, tu fais des impudicités, tu vas avec des femmes,
tu fais de n'importe quoi, tu bois, tu fais tout ce que tu veux. Mais quand tu as déjà payé ton argent, quand tu vas mourir, et ils vont faire une prière pour t'envoyer au ciel. C'est contraire à la parole de Dieu. Tu es derrière les jupons, tu es derrière les pédicités, tu es derrière les péchés, quand tu mets tout droit en enfer, sans scale. Amen. Amen. Dans cette réunion toujours, ils ont introduit beaucoup de choses qui n'est pas dans la parole de Dieu, qui n'est pas dans les programmes de Dieu. Beaucoup, 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 beaucoup. Ils ont créé l'eau bénite. Ils ont de l'eau, ils mettent un peu de sel. Ils appellent ça l'eau bénite. Dieu a déjà béni l'eau dès le commencement. On n'a pas besoin que les prêtres viennent encore bénir l'eau. Et dans cette réunion, ils ont voté tous que le baptême doit être au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et ça ne sera pas. Ça va être seulement, donc, on lave seulement une partie de la tête et puis c'est fini. Je crois que c'est l'aspersion. Alors, ils ont posé la question à tous les dirigeants qui étaient là. Qui sont pour? Tout le monde a levé la main. Ils ont voté que le baptême doit être au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À la base, seulement une partie de la tête. C'est contraire à la parole de Dieu. Le baptême biblique ou le baptême selon le programme de Dieu, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est Jésus qui a dit ça, mais il y a un mystère qui se cache quelque part ici. Jésus a dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus n'a pas dit, allez baptiser au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'allez pas baptiser dans le Père, n'allez pas baptiser dans le Fils, n'allez pas baptiser dans le Saint-Esprit. Mais baptiser au nom au singulier. Le nom est au singulier. Baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit ont un seul nom. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Donc, Jésus nous a envoyé les baptiser au nom. Il ne nous a pas envoyé les baptiser au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit. Ils ont un seul nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus, quand il priait à Gethsemane, il a dit, Père, je leur ai fait connaître ton nom. Le nom que Jésus nous a montré aujourd'hui, c'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom. Allez baptiser au nom. Et ce nom, c'est Jésus. C'est pourquoi les disciples, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont compris que les baptêmes, c'est au nom. Ce n'est pas dans les Père, dans les Fils de le Saint-Esprit. Et tous, ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Nulle part dans la Bible, les disciples ou les apôtres ont baptisé au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Jésus a donné seulement un résumé. Allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand il reçoit le Saint-Esprit, c'est les détails. Et les détails, c'est les prophètes qui amènent ça. Le prophète Branham nous a dit que le baptême, c'est au nom. Ce n'est pas dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. Nulle part dans la Bible, il y a quelqu'un qui a baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nulle part dans la Bible, quelqu'un a baptisé en avant seulement une partie de la tête. Le baptême, on va te plonger dans l'eau et on te lève, on te plonge dans l'eau et puis tu te lèves. Donc, c'est-à-dire, la Bible dit, c'est la mort de Christ et la résurrection de Christ. Donc, c'est ça le vrai baptême. Mais là-bas, au conseil de Nicée, ils ont voté tous qu'ils puissent baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était
une réunion de démons, de sorciers. Il n'y avait pas la révélation là-bas. Et la révélation de la parole vient toujours, toujours au prophète. Ici, il n'y avait pas un prophète pour les éclairer. Ils étaient dans le noir total. Et vous remarquerez encore, dans cette réunion, ils ont introduit beaucoup de groupes. Beaucoup de groupes. Beaucoup de groupes. Quand vous regardez la parole, ces groupes n'existaient pas. Exemple, le groupe des gagnants d'âmes. Ça, je vais toucher après. Le groupe d'Anouarit. Le groupe de Bilingué à Mouinda. Le groupe de, je ne sais pas, des mamans présidentes. Le groupe de Bakanja. Ils ont beaucoup de groupes là-bas dans l'église catholique. Je ne connais même plus ce groupe-là. Et quand vous regardez dans la parole, ça n'existe pas. Et vous remarquerez que le chef de cette église, c'est le pape. Et le pape, il porte un nom blasphématoire sur son chapeau. Vicaris Filii Dei. Je ne sais pas si j'en ai ici. Vicaris Filii Dei. Je crois que j'en ai. Vicarius Filii Dei, c'est en latin. Vicarius Filii Dei. Et quand vous additionnez ce nom, vous verrez que ça va nous donner 666. Vicarius Filii Dei, parce qu'on n'a pas de temps de calculer ça. Mais c'est connu de tous. Vicarius Filii Dei, ça nous donne 666. Et il a encore un autre nom. Latinus Rex Sacerdos. Quand vous calculez ça, ça donne toujours 666. C'est ce que nous avions lu dans Apocalypse 13, verset 18. Je peux dire ça encore. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Donc, leur chef, il est satanique, il est diabolique, il porte le nombre de la bête sur sa tête, et ce nombre est 666. Alors, catholique, selon la Bible, Apocalypse 17, la Bible dit, la Bible l'appelle grande prostituée, la mère de toutes les impudiques sur la terre. Apocalypse 17. La Bible appelle l'église catholique la mère de toutes les impudiques. La Bible l'appelle la grande prostituée. Une prostituée, elle a des enfants de gauche à droite et des fois, elle ne connaît plus ses enfants. L'église catholique a aussi beaucoup d'enfants. Bim, c'est son enfant. Groupe de prière, c'est son enfant. Pentecôte, c'est son enfant. Toutes les églises que vous voyez là-bas, ce sont les enfants de l'église catholique. Tel père, tel fils, telle mère, telle fille. C'est pourquoi vous verrez que toutes ces églises-là, ils ont aussi introduit beaucoup de choses dans leurs églises qui n'est pas la parole. Ils ont introduit, par exemple, des groupes dans leurs églises. Et beaucoup de ces groupes-là, quand vous regardez dans la Bible, ça n'existe pas. Exemple, groupe d'intercession. Intercession. Groupe de gagnants d'âme. Groupe d'affermissement. Groupe de maman présidente. Il y en a beaucoup dans le groupe de prière là-bas. Groupe de maman présidente. Groupe, je ne sais pas, de Kizitu, groupe de membres de Mbanza, Maman Mbanza, Mbanza Congo, ainsi de suite. Alors, ils ont le groupe d'intercession, le groupe de gagnants d'âme, le groupe d'affermissement. Je vais prendre seulement trois groupes pour gagner le temps. Le groupe d'intercession, c'est le même esprit.
Des groupes de Kisitu, les groupes de Bilenga Mwinda, les groupes de Anouarites, les groupes de Bakange, ainsi de suite. Telle mère, telle fille. Les groupes d'intercession, ça n'existe pas dans la parole. Dans cette Bible, ça n'existe pas. Les groupes d'intercession. On avait un débat un jour avec des pasteurs, des pentecôtistes. On parlait de ces groupes-là. Nous disons que ça n'existe pas. De Genèse à l'Apocalypse, ça n'existe pas. Les groupes d'intercession, c'est-à-dire dans les églises, ils ont pris un petit nombre de gens et ils ont nommé ces groupes-là les groupes d'intercession. Quand ils ont des délivrances, ils vont appeler ces gens-là de venir intercéder, de venir faire la délivrance. Quand ils veulent intercéder pour l'église ou pour quelque chose, ils doivent appeler les gens de ces groupes-là afin qu'ils puissent venir prier. Ça n'existe pas dans la parole. Tout chrétien, il est intercesseur. Tu as crié Jésus, tu as crié la parole, tu deviens intercesseur pour ton voisin, tu deviens intercesseur pour ton frère, pour ta sœur, pour ton mari, pour ta femme. Tu deviens intercesseur pour l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas un groupe de gens seulement qui peut faire ça. Tout le monde a le droit d'intercéder pour les autres. Tout le monde a le droit d'intercéder pour l'œuvre de Dieu. Et tout le monde qui ont cru Jésus, ils ont le droit de chasser les démons. Ce n'est pas seulement les gens qui sont dans le groupe d'intercession. Ça, c'est le diable. Le diable veut limiter. Mais on ne limite pas Dieu. Amen. J'ai posé une question à un pasteur pentecôtiste parce qu'il discutait beaucoup. Il m'a dit que quand Jésus était dans la montagne, il avait pris parmi ses disciples, il a pris Pierre, Jacques et Jean. Ils étaient partis pour prier. Alors, il appelle ça le groupe d'intercession. Moi, je dis, si d'abord, premièrement, nulle part. La Bible dit que c'était le groupe d'intercession. N'ajoutez pas, ne retranchez point. Deuxièmement, si réellement c'était le groupe d'intercession, Jésus avait failli. Parce que ces gens-là que Jésus avait pris pour aller prier sur la montagne, ils n'ont pas prié. Ils dormaient. Jésus, quand il est venu, il les a vus dormir. Il les a réveillés. Jésus est revenu pour la deuxième fois, il dormait toujours. Jésus est revenu pour la troisième fois. Il dormait toujours, ils n'ont même pas prié. Donc, Jésus avait failli pour le choix qu'il avait fait de choisir des intercesseurs. Non, ce n'était pas un groupe d'intercession. C'était un type qui typifiait quelque chose d'autre. Nous allons les voir peut-être dans les jours à venir. Les groupes d'intercession, ça n'existe pas dans la parole. Et quand vous dites que les trois hommes-là que Jésus avait amenés sur la montagne pour prier, c'est le groupe d'intercession, ça, vous blasphémez parce que Jésus ne peut pas faillir. Jésus ne peut pas faire un mauvais choix. Ce n'était pas le groupe d'intercession. Les groupes de gagnants d'âme, ça n'existe pas dans la parole. Tout chrétien qui a cru Jésus, tout chrétien qui a cru la parole, il a droit de gagner les âmes pour Jésus. Il a droit de témoigner Jésus partout, partout, partout. Et vous verrez que dans les groupes de prière ou dans les églises pentecôtistes, ils ont pris un petit nombre de gens et ils les appellent de gagnants d'âmes. Ils appellent ces groupes-là des groupes de gagnants d'âmes. Moi aussi, quand j'étais pentecôtiste, j'étais dans ces groupes d'intercession. J'étais aussi dans les groupes de gagnants d'âmes. J'étais aussi dans les groupes d'affermissement. Donc j'avais toute la plénitude des démons en moi. Mais quand j'ai cru le message, tous ces démons ont fui. Les groupes de gagnants d'âmes, ça n'existe pas. Tout chrétien qui a cru la parole, ils ont droit de témoigner Jésus. Ils ont droit de gagner des âmes pour Christ. Ça, c'est le moyen que le diable utilise. Parce que si tu n'es pas dans le groupe d'intercession ou dans le groupe de gagnants d'âmes, tu t'en fous. Tu peux dire que ah, moi je ne suis pas gagnant dedans, moi je ne suis pas intercesseur, alors cela ne me regarde pas. Alors que cela regarde tous les croyants.
On ne limite pas Dieu. Tous ceux qui ont cru la parole, tous ceux qui ont cru Jésus, ils ont droit d'intercéder, ils ont droit de gagner des âmes. Alors, ce sont des groupes qui n'existent pas dans la parole. Ici, le groupe d'affermissement, ça n'existe pas aussi. La Bible dit dans Actes des apôtres, la Bible dit, ils persévéraient tous dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. Tous, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et pendant que nous prêchons ici, c'est ça l'affermissement. Il n'y a pas un petit groupe de gens, on les appelle les affermisseurs, c'est eux qui affermissent les autres. Ça n'existe pas. Beaucoup de groupes dans l'église, c'est pourquoi vous avez beaucoup de limpidicité dans ces groupes. Vous avez beaucoup de ennemis dans ces groupes. Il y a des gens dans ces groupes qui font des bêtises parce que la parole n'est pas là. Ce n'est pas la parole, c'est l'œuvre de Satan. C'est Satan lui-même qui est là. Il y a des impudiques ici, dans ce groupe. Ils sont en train d'engrosser des filles. Moi, j'étais là. Je sais. Je parle avec expérience. Dieu n'est pas dans ce groupe. Si tu es dans ce groupe, tu es mort. Pendant que je parle, je suis en train de te ressusciter. Si tu refuses cette résurrection, paix à ton âme. Mes condoléances. Alors, les groupes de prière, les bimas, les pentecôtistes, tous ces gens-là, ce sont des filles, des enfants de l'église catholique. Tout ce qu'ils font là, ce n'est pas la parole. Tous ces groupes-là, ce n'est pas la parole. Alors, dans cette réunion, ils ont introduit beaucoup de mauvaises choses qui n'est pas la parole de Dieu. Des groupes, des robes, des baptêmes, des enfants, des baptêmes dans les pères, dans les fils du Saint-Esprit, la Trinité, les célibats des prêtres, le purgatoire, ainsi de suite. Les enfants des catholiques sont nombreux aujourd'hui. Là où tu pries, tu dois vérifier tout ce que vous faites dans votre église. Si ce n'est pas dans cette Bible, si ce n'est pas dans la parole de Dieu, c'est l'église de Satan. L'église de Dieu, ils doivent répéter ce que Dieu a dit. Et l'église de Dieu, ils doivent être dans le programme de Dieu. Amen. Les groupes de gagner dans l'intercession, affermissement, tous ces groupes-là, les anoirites, ce sont les idées des hommes, ce sont des pensées des hommes. Et la mort est là. La parole de Dieu vient au prophète. La révélation de la parole vient au prophète. Donc, c'est le prophète qui a droit de dire quelque chose dans l'église. Et nous, les Éphésiens 4, nous sommes là pour répéter seulement ce que le prophète a dit. Vous essayez de changer ça, Dieu vous frappe. Noé, à son temps, beaucoup de gens ont essayé de changer le programme de Dieu, à leur programme. Ils étaient morts. Dieu les a frappés. Nimrod a essayé de changer les programmes de Dieu. Dieu l'a frappé. Au temps de Moïse, comment ils s'appellent les trois hommes? Coré, Datan, Abinadab. Ils ont essayé de changer les programmes de Dieu. Dieu les a frappés. Aujourd'hui, les gens ne croient pas aux prophètes parce qu'ils ont leur propre programme dans la tête. Ils ont les programmes de leurs pasteurs dans la tête. Ils ont les programmes de leurs églises dans la tête. C'est pourquoi celui qui te dirige, celui qui te prêche, ton pasteur, tu as droit de connaître d'où il vient. Il y a des pasteurs qui étaient catholiques. Quand il a cru le message, il a transféré son ministère directement dans les messages. Au lieu de s'asseoir, d'apprendre, il a transféré son ministère directement dans les messages. Il continue toujours à prêcher. Il fait la course de lire, la course d'écouter et la course de prêcher. C'est pourquoi on a une grande confusion aujourd'hui dans les messages. Quand tu viens dans les messages, tu vas t'asseoir. Si tu as un ministère, Dieu va toujours t'élever. Amen. Alors, quand on s'éloigne du programme de Dieu, c'est la mort qui frappe. Je vais lire encore une citation. Frère Branham dit ceci.
Dieu a toujours besoin de l'homme pour qu'il puisse accomplir son programme. Il a toujours besoin de l'homme. Dieu n'a pas besoin d'une machine. Dieu n'a pas besoin d'une radio cassette ou tourne disque ou un CD ainsi de suite. Dieu a toujours besoin de l'homme. Amen. Entendre, reconnaître et agir sur base de la parole de Dieu. Frère Branham dit dans paragraphe 11, eh bien, ça a toujours été ainsi. Et ça sera toujours le programme de Dieu. Dieu ne peut pas changer son programme. Dieu ne peut pas changer son programme. Et personne d'autre a le droit de changer le programme de Dieu. Personne. Si Dieu dit que le salut, il faut passer par un prophète, ça reste comme ça. Tu viens changer ça, Dieu te frappe. Si Dieu a dit que dans l'église, quand on prêche la parole, c'est 40 à 45 minutes, c'est fini. Vous changez ça avec des prédications de 7 heures du temps, de 8 heures du temps. La frappe est là. Si vous voulez faire des prédications de 20 heures du temps, de 30 heures du temps, Frère Branham dit qu'il faut choisir une journée spéciale. Et vous avertit l'église que la prochaine fois, nous allons faire une journée de longue prédication. Nous allons parler de ça bientôt. Dans l'ordre de l'église, personne n'a le droit de changer ça. Il y a aussi des situations là où Frère Branham dit que si l'église ne supporte pas la prédication de 4 heures du temps, il devient rétrograde. Oui. Mais Frère Branham dit de telles prédications de 4 heures, de 5 heures, vous devez avertir l'église. C'est une journée spéciale. Ce n'est pas une doctrine chaque fois que vous venez, 4h, 20h du temps. Frère Branham dit deux ou trois chansons, c'est fini. Et nous ici, nous n'avons pas encore beaucoup de services. C'est pourquoi des fois nous prenons du temps. Mais bientôt, quand nous allons mettre l'ordre, 40 à 45 minutes, c'est fini. Amen. Frère Branham dit ceci. Eh bien, ça a toujours été ainsi. Et ça sera toujours le programme de Dieu. Dieu ne peut pas changer son programme. En effet, il élabore son programme de façon parfaite parce que c'est une partie de lui. Frère Branham dit que son programme, c'est une partie de lui-même. Donc, quand vous essayez de changer le programme de Dieu, vous échangez Dieu lui-même. Donc, le programme de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Une autre citation de Frère Branham. Frère Branham dit ceci. Les réalités effroyables de Dieu vivant. Frère Branham dit dans paragraphe 115, Dieu aime toujours œuvrer à travers l'homme. C'est le programme de Dieu d'œuvrer à travers l'homme. Donc Dieu aime toujours travailler avec l'homme, c'est son programme de travailler avec l'homme. Croyez-vous, c'est là. L'Assemblée dit Amen. Dieu œuvre à travers l'homme. Il a fait de l'homme son aide sur la terre. Il a fait de l'homme un Dieu en dessous de lui. Frère Branham dit que Dieu aime toujours travailler avec l'homme. Il a toujours besoin de l'homme. Même quand vous mettez une cassette de Frère Branham, Dieu a toujours besoin de l'homme pour qu'il puisse mettre cette cassette. Quand vous mettez cette cassette, Dieu a toujours besoin des hommes pour qu'il puisse écouter ces cassettes. Cette cassette. Donc Dieu a toujours besoin de l'homme. À l'église, Dieu a toujours besoin de l'homme pour parler à son peuple. Dans un âge, Dieu a toujours besoin d'un prophète, d'un homme comme toi et moi pour parler aux gens de son temps. Personne n'a le droit de changer les programmes de Dieu. Personne, personne, personne. Dans notre temps, William Branham a donné les programmes de Dieu. Et avant de partir dans la gloire, il a dit, répétez seulement les bandes après moi. Frère Branham n'a pas dit qu'il y aura quelqu'un qui va venir pour vous donner des ordres.
il y aura quelqu'un qui va venir pour vous donner un autre programme. Frère Branham dit, répétez les bandes. La fois passée, je dis, même notre bien-aimé frère Joseph, il n'a pas ces droits-là de changer le programme de Dieu. Il n'a pas ces droits-là d'ajouter quelque chose dans le programme de Dieu ou de retrancher quelque chose dans le programme de Dieu. C'est un homme qui respecte la parole. Depuis qu'il est dans son ministère, il n'a jamais fait. Il est correct. Il respecte la parole de Dieu. Que Dieu le bénisse richement. Mais il y a des gens qui sont autour de lui, qui commencent à construire leur doctrine. Mais l'homme Joseph est en dehors de toutes ces choses-là. Personne n'a le droit de changer les programmes de Dieu, ni un pasteur dans l'église. Il n'a pas le droit de changer les programmes de Dieu. Répétons seulement ce que William Branham a dit. Frère Branham dit ceci dans l'exposé de 7 âges, paragraphe 2, page 223, pardon. Frère Branham dit, savez-vous que cette église était plus mauvaise encore qu'à Cabre? Savez-vous que pour un temps, lui s'est repenti et qu'il marcha lentement devant Dieu? On ne peut pas en dire autant de l'église catholique et romaine. Non, messieurs, non seulement elle ne s'est jamais repentie, mais elle s'est au contraire acharnée à détruire tous ceux qui ont voulu l'aider à se repentir. C'est l'historique. Or, Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge, mais il a également suscité des merveilleux auxiliaires pour ses messagers. Il a donné à chaque âge de merveilleux hommes de Dieu qui ont fait tout leur possible pour ramener l'Église à Dieu. Frère Branham dit que Dieu n'a pas seulement envoyé un messager dans cet âge ou dans chaque âge. Il envoie un messager, il envoie aussi des auxiliaires de ces messagers. Dans notre temps, il a envoyé William Branham et il a envoyé aussi des auxiliaires de William Marion Branham. Ce sont des ministres des Éphésiens 4. Ils sont là pour soutenir le message de William Marion Branham. Or, Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge, mais il a également suscité de merveilleux auxiliaires pour ces messagers. Donc, Dieu nous a suscité pour William Branham. Dieu a suscité les Éphésiens 4 aujourd'hui pour William Marion Branham. Des Éphésiens 4, ils sont là dans des églises pour William Marion Branham. Ils sont là pour répéter ce que Branham a dit. Ils répètent ça au peuple de Dieu. Ils n'ont pas droit d'ajouter et de retrancher quelque chose. Mettre la cassette de William Branham dans l'église, c'est la parole. C'est une chose bénie. C'est une chose que j'aime et celui qui refuse ça, paix à son âme. Mettre la cassette de William Branham dans l'église, c'est la parole de Dieu. Et c'est ça la chose qu'il faut. Mais, équilibrons-nous. Si vous mettez les auxiliaires à côté, automatiquement vous abandonnez la parole de Dieu. L'avion vole qu'avec deux ailes. Vous mettez la cassette, c'est bon. Et les Éphésiens 4 aussi sont là pour prêcher la parole. Vous mettez la parole du prophète, après l'écoute de la parole, l'Éphésiens 4 monte, il fait un petit résumé au peuple de Dieu. Parce que c'est lui qui est incrédule ou un païen quand il vient dans l'église. Il écoute la bande du prophète, des fois il ne peut pas comprendre. Parce que c'est un homme charnel. Mais les Éphésiens 4, ils sont là, après l'écoute de la bande, ils doivent faire une petite résumé pour expliquer seulement ce que Branham a déjà expliqué au peuple de Dieu, pour éclaircir encore. Il y a une citation que j'ai cherchée, mais je n'ai pas trouvée, parce qu'il y a des procédures pour écouter la bande du prophète. Je ne vais pas dire ça,
jusqu'à ce que je vais trouver cette citation pour être sûr de ce que je parle. Alors les Éphésiens 4 sont là pour William Branham. On ne peut pas exclure les Éphésiens 4. La fois passée, j'ai dit qu'il y a une promesse qui dit que dans les derniers jours, les young people, ils vont prendre le relève. Et ces young people, ils ne doivent pas s'asseoir pour écouter les bandes. Les young people, ils doivent servir, ils doivent œuvrer derrière cette chair. Ils doivent prêcher la parole de Dieu. C'est ça le programme de Dieu. Alors, pour confirmer ce que je dis, je vais lire dans mon nouveau ministère, paragraphe 95. Frère Branham dit, maintenant vous direz, eh bien, s'il le sait, pourquoi alors prêchez-vous? C'est Dieu. Point, point, point. Une partie du programme de Dieu. La prédication fait partie de son programme. Frère Branham dit que la prédication de la parole fait partie de son programme. Si vous changez ça, si tu exclus les Éphésiens 4, automatiquement tu as mis à côté le programme de Dieu. Les Éphésiens 4 sont là, c'est le programme de Dieu. Ils sont là derrière la chair pour apporter la parole de Dieu. Vous mettez une bande, c'est la parole. Les Éphésiens 4, quand ils prêchent dans l'église, c'est la parole. Aujourd'hui, vous mettez une bande. Demain, les Éphésiens 4 doivent prêcher. Ce n'est pas une doctrine seulement. Bande. Ça, vous êtes en train de supprimer beaucoup de citations. Les young people, ils sont là pour prêcher la parole. Si vous construisez votre doctrine sur les bandes seulement, la place des young people n'est plus là. Et la place des Éphésiens 4 n'est plus là. Alors que les Éphésiens 4, ils font partie du programme de Dieu. C'est ce que Frère Branham dit ici. Il dit, une partie du programme de Dieu. La prédication fait partie de son programme. Lorsqu'il a regardé les apôtres, il a regardé la moisson. Il a dit, la moisson est mise. Il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Combien s'en souviennent? Eh bien, pourquoi devrait-il prier le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson? Si le maître de la moisson se tenait là, sachant que cela devait être fait, pourquoi Dieu ainsi a arrangé cela afin que son... Maintenant, écoutez ceci. Dieu a ainsi arrangé cela afin que son programme ne puisse pas être exécuté sans vous et moi. Frère Branham dit que Dieu a ainsi arrangé cela afin que son programme ne puisse pas être exécuté sans vous et moi. Donc le programme de Dieu est exécuté aujourd'hui avec les prophètes et ses auxiliaires, les Éphésiens 4. Et tant que nous ne faisons pas ce que Dieu nous conduit à faire, nous paralysons son programme. Tant que vous mettez les Éphésiens 4 à côté, vous paralysez le programme de Dieu. Mais lorsque l'Église avancera sous l'onction du Saint-Esprit, alors nous sommes dans la volonté de Dieu accomplissant son programme. Donc, vous mettez les Éphésiens 4 à côté, vous mettez le programme de Dieu à côté. Vous mettez les Éphésiens 4 à côté, vous ne faites pas la volonté de Dieu. Vous êtes en dehors du programme de Dieu. Et quand vous êtes en dehors du programme de Dieu, vous êtes ici dans les idées des hommes ou les pensées des hommes. Et la mort est sur vous. Amen. C'est ça. Donc, l'avion vole avec des ailes. Les bandes sont là. C'est un ministère mondial. Les bandes du prophète. Et quand vous écoutez ces bandes, vous êtes bénis. Nous les écoutons partout. À l'église, c'est la parole. Nous les écoutons à la maison, c'est la parole. Nous les écoutons dans nos voitures, c'est la parole. Même au travail, partout, c'est la parole de Dieu. Mais nous ne pouvons pas mettre des Éphésiens 4 à côté. Si vous mettez les Éphésiens 4 à côté, vous faites une doctrine seulement des bandes, automatiquement,
Vous êtes en dehors du programme de Dieu. Vous ne faites pas la volonté de Dieu. C'est ce que Frère Branham nous a dit ici. Pour terminer, les Éphésiens 4, quand Dieu envoie un prophète dans un âge, le prophète amène la parole pour cet âge-là. Branham a amené la parole pour notre âge. Et Frère Branham dit, Dieu n'envoie pas seulement son messager, il envoie aussi ses auxiliaires, les Éphésiens 4. Les Éphésiens 4, ils sont là pour prendre seulement la parole du prophète et ils commencent à donner ça à l'église. Les Éphésiens 4 n'ont pas le droit d'ajouter ou de retracer quelque chose du message. Ils sont là pour répéter le message mot à mot. Frère Branham dit, répétez seulement ce que disent les bandes. Branham a donné le message comme un vendeur en gros. Un vendeur en gros, par exemple, quand il vend un carton de sardines, il y a beaucoup de sardines là-bas, mélangées. Les Éphésiens 4, quand ils viennent, ce sont des détaillants. Ils vont ouvrir les cartons, ils vont prendre chaque boîte de sardines et ils vont mettre ça à sa place. C'est pourquoi les Éphésiens 4, Frère Branham dit, ils sont là pour détailler ce que lui-même a déjà dit. Et quand ils détaillent ça, ils sont toujours dans la parole, ils ne peuvent rien ajouter. Détailler, c'est-à-dire, ils doivent rassembler toutes les citations. Frère Branham dit, son message est comme un jeu de puzzle. Les Éphésiens 4 sont là pour rassembler toutes les citations pour donner un tableau clair au peuple des gens. C'est ça leur travail. Si aujourd'hui vous écoutez une bande, demain vous écoutez une bande, celui qui était venu quand vous aviez écouté la première bande, quand vous écoutez la deuxième bande, celui-là n'est pas venu. Il aura une confusion totale dans sa tête parce qu'il a écouté seulement une partie de la parole. Peut-être que c'était l'introduction. Le développement peut-être était venu dans la deuxième bande. La conclusion est venue dans la troisième bande. Celui qui a écouté la première bande, il n'a pas écouté la deuxième bande qui est le développement, il n'a pas écouté la troisième bande qui est la conclusion. Il aura une confusion totale. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des discussions dans les messages. Parce que nous écoutons une partie. Frère Branham dit, si vous écoutez les bandes, vous devez écouter toutes les bandes le même jour. Je vais lire cette citation même prochainement. Vous devez écouter toutes les bandes. Vous écoutez une bande seulement, le dimanche prochain, vous ajoutez encore une bande, celui qui était venu dans la première bande, dans la deuxième bande, il n'est pas là, il est allé avec une confusion. Alors, les Éphésiens 4 sont là pour réunir toutes les bandes, toutes les citations, pour éclaircir les enfants de Dieu, pour donner un tableau clair. Les Éphésiens 4, selon la Bible, ils sont là pour le perfectionnement des saints. Branham a donné le message, les Éphésiens 4 sont là pour détailler, ils sont là pour rassembler les citations, pour donner un tableau clair. Et Frère Branham dit, c'est ça le programme de Dieu. La prédication fait partie du programme de Dieu. Les Éphésiens 4, les auxiliaires des prophètes, ils font partie du programme de Dieu. Donc, le programme de Dieu, c'est sa parole. Le programme de l'homme, ce sont ses idées, ses pensées. Le programme de Dieu donne la vie. Le programme de l'homme donne la mort. Quand vous mettez les Éphésiens 4 à côté, automatiquement, vous êtes ici dans la mort. Alors, quand vous êtes dans le programme de Dieu, vous êtes dans la vie. C'est pourquoi nous avions dit, pour terminer, beaucoup aujourd'hui sont morts parce qu'ils ne respectent pas le programme de Dieu. Beaucoup respectent les programmes de leur papa, les programmes de leur pasteur, les programmes de leurs églises. Mais les programmes de Dieu, ils ont mis ça à côté.
C'est le même esprit qui a dirigé Nimiro. C'est le même esprit qui a dirigé le boss de Titanic. C'est le même esprit qui a dirigé Caïn. C'est le même esprit qui a dirigé Judas Iscariot. Et quand vous mettez le programme de Dieu à côté, c'est la mort. Aujourd'hui, comme nous avions dit, nous avons beaucoup de morts qui font des bruits. Ils sont déjà morts, mais en cravate. Que Dieu nous aide afin que nous soyons tous dans son programme. Nous n'avons pas besoin que des gens puissent aller à l'enfer ou que les gens puissent être ici. Nous avons besoin que tout le monde nous soyons ici dans les programmes de Dieu, afin que nous puissions encore nous retrouver un jour. Amen. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse.